Amis des coquelicots, certains se demandent où nous allons. Nous ne voulons pas semer la panique, mais nous n'en savons rien. Vrai, nous ne savons pas. Pas plus que vous, en tout cas. Nous sommes dans ce temps spécial d'accumulation des forces, essentielles. Nous engrangeons des soutiens. Nous remplissons des milliers de listes de signataires et nous comptons notre récolte. Combien sommes-nous? Pas loin de 550 000. Oui, 550 000. Vous le savez, ce n'est encore rien. Les mois de mars, d'avril, de mai, de juin, de juillet, d'août et de septembre, d'octobre et de novembre, de décembre seront décisifs. Nous devons aller chercher les signatures chez les volleyeurs professionnels, dans les vides-greniers et les brocantes, parmi les coiffeurs borgnes du Pas-de-Calais et les petits rats de l'Opéra, chez les Sri Lankais de la Courneuve, les radiesthésistes de l'Aveyron, les éleveurs d'escargots d'Auvergne et chez nos ennemis prétendument jurés. Nous avons promis. Vous vous en souvenez? Bien sûr, on va vous aider. Avec cet immense fleurissement de toute la France et des milliers de lieux plantés d'orges, de bleuets et bien sûr de coquelicots. Avez-vous apporté vos fleurs ce soir? Vos graines, pardon, ce soir? Nous préparons même des surprises jusqu'au cœur des grandes villes. Ce n'est pas le moment de lâcher. C'est celui de coller des feuilles de signature partout et d'inviter vos amis et vos gosses à venir sur les places le vendredi 5 avril. Ce sera le rendez-vous des semailles. L'association Nous voulons des coquelicots.